morning comes around early. That's one of my favorite times here, too. So, good night. Bonjour tout le monde, et ici Monsieur Toon de Toon Studio Pro. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Dream of Disney. Je suis un tout petit peu pressé parce que là je suis un poil en retard pour le spectacle d'Animagic sur leur serveur. C'est bah, le dernier spectacle qui nous manque. Hein. Comment on fait pour entrer? Parfait. Je me disais comment on fait. Je suis en stress hein, parce que là je suis en retard depuis tout à l'heure. Donc là on est sur le serveur Dream of Disney. Pour le spectacle Animagique, voilà, je suis un tout petit peu à la bourre, et du coup c'est pour ça que je stressais un petit peu au début de la vidéo. C'est que là, depuis tout à l'heure, je pense qu'ils m'attendent en fait exprès, parce que j'étais en train de télécharger le ressource pack, et je sais pas, j'ai pas de musique, je sais pas si c'est normal ou pas. Je vais leur demander. Il est censé y avoir de la musique, parce que là j'en entends pas de musique. En tout cas j'espère que ça va très bien pour vous, désolé pour ce début d'intro très bizarre. C'est juste que là je suis vraiment en stress depuis tout à l'heure. Ok, nickel, super. Dans quelques secondes on va se placer les tounes avec notre petit pins karting. Écoutez, j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Ah, ça y est, ça commence. C'est parfait, nous avons la musique. Nous voici dans l'Animagic avec la musique très creepy des enfants, hein. Ça ressemblait presque à un film d'horreur. Et voilà. J'espère que j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que du coup, Dream of Disney nous surprend le jour en jour avec leurs attractions et leurs spectacles aussi. C'est mon premier spectacle que je regarde sur leur serveur, donc on va voir ça ensemble, écoutez. C'est vraiment cool le fait qu'ils ont intégré les cast members. Je sais pas si vous avez vu aussi les jeux d'éclairage qu'il y a aussi sur le plafond et sur les côtés, c'est plutôt cool. Ils ont pensé à tout. Rappelons qu'Animagic a fermé ses portes il y a quelques temps. Hein. D'ailleurs, je pense que vous êtes tout grand parce qu'on a mis en ligne la vidéo de fermeture en gros. Et qui sera remplacé par Mickey le magicien, qui va arriver donc cet été. Qui a l'air, ma foi, super bien aussi. Un petit peu dans le même délire, on va dire, qu'Animagic. Donc bon, on va pas être dépaysé par ce nouveau spectacle. Je parle avec vous. Vole pas trop haut, s'il te plaît. Ah ah, ça veut dire qu'il faut pas voir des choses. J'espère que vous êtes très bien placés, parce que dans cette vidéo, malheureusement, on va pas beaucoup parler. Je vais vous laisser, sur le coup, profiter du spectacle. Ça va être une vidéo assez courte, parce que du coup, c'est vraiment pour vous donner mon ressenti avant et après du spectacle. Du coup, je vais en même temps que vous découvrir le spectacle et commenter par-dessus. Enfin, pas commenter par-dessus, non, pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire. Je ne vais pas du tout commenter sur le spectacle, et justement, je vais vous laisser profiter de l'expérience au maximum. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, petit sondage des Toons. Alors, comment on fait les sondages avec YouTube? Parce que faut savoir que YouTube maintenant intègre une option qui permet donc d'avoir les sondages directement dans les vidéos. Et voilà, je vous propose de répondre à un petit sondage. Est-ce que vous êtes donc... Bonjour et bienvenue à Animagic. Je laisse l'annonce. Afin que vous puissiez profiter du spectacle dans les meilleures conditions... Au pire, on en parlera tout à l'heure. Nous vous demandons de ne pas vous lever pendant la représentation. Il fera de plus en plus sombre. Merci de rester à vos places. Hi everyone and welcome to Animagic. We want you to fully enjoy the show. So please, don't get up during the performance. The theater will get very dark, so please, stay in your seat. Thank you. Hola a todos y bienvenidos a Animagic. Con el fin de poder aprovechar el espectáculo en las mejores condiciones, les rogamos de no levantarse durante la función. El teatro se pondrá de más o más oscuro. Por favor, quédense en sus asientos. Gracias. Les flashs de votre appareil photo sont très dangereux pour nos acteurs. Pendant le spectacle, merci de ne pas filmer ou prendre de photos. The flash from your camera is very dangerous for our performers. We ask that you do not take photographs or film the show.
Thank you for your understanding. El flash de su cámara de fotos es muy peligroso para los artistas. Durante el espectáculo, gracias de no filmar o tomar fotos. Et maintenant, Walt Disney Studio est heureux de vous présenter le monde fantastique d'Animagique. And now, Walt Disney Studios is proud to present to you the fantastic world of Animagique. Y ahora, Walt Disney Studios está contento de presentarles el fantástico mundo de Animagique. Wow.
Donald, bienvenue. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie que tu vis sur la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Donald, t'aimes bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux te
sais bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où tu bosses toute la journée, esclavagé et prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Briton au flûtion, la carpe joue la harpe, la rascasse, la basse, c'est les rois du rap. Macron au saxo, turbo au bango, le dieu est le dieu de la soul. La réo tournée, canon au violon, des sols rock'n'roll, le ton garde-ton. Le bar et le strat se marrent et s'éclatent. Vas-y, souffle mon doudou sous l'océan. La vie est super mieux que sur la terre, je te le dis. Tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. On a les trinquins pour faire une gifle sous l'océan. Les limaces des mers au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigorneaux vous donnent le tempo. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, faut que ça balance sous l'océan. Yes.
rentrer dans la pièce du fond. Pourtant, il savait que c'était interdit. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je le trouve. Alors, Donald? Tu vas bien? Dis-moi, tu as trouvé des amis? Well, if it ain't my old buddy Don, give me some. Hey, la 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 la, animagique, 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 animagique. Wow! La 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 la, animagique, animagique, c'est magnifique, animagique. Les toons, c'est quelque chose d'incroyable. Je pensais même pas qu'il y avait des choses que je... Oh, je sais même pas quoi dire en fait. C'était excellent quoi, genre juste merci d'avoir assisté excellent. Au spectacle Animagique. Nous vous souhaitons une agréable journée sur notre part. C'était parfait. Thank you for attending the Animagique Show. We wish you a pleasant day on our park. C'était juste parfait les toons. Il y a des trucs qu'on peut faire maintenant avec la 1.8, mais je m'imagine même pas. C'est dingue. Fouah, la vache. C'était parfait. Il y avait tout qui était respecté au millimètre près. Les éclairages étaient parfaits. Les scènes pareilles. Il y avait tellement d'astuces finalement qui étaient toutes bêtes et qui rentraient parfaitement dans le spectacle. C'est assez dingue quoi. Maintenant, je me rends compte à quel point Minecraft a évolué, et on s'en rend pas forcément compte tout le temps, et c'est grâce un peu à des serveurs comme Dream of Disney, finalement, on se rend compte de l'évolution de Minecraft et des possibilités qu'on peut effectuer, parce que là, vraiment, sur le coup, je suis vraiment bluffé. C'est peut-être l'un des plus beaux spectacles que j'ai vu, en tout cas animé sur Minecraft, parce que là, j'arrive pas à trouver... Quelques défauts, après, c'est vrai qu'il y avait quelques petits décalages, mais finalement, avec le travail qui a été fourni, et, on n'a même pas envie de critiquer finalement, on a juste envie de dire que c'était parfait, parce que c'était vraiment vraiment parfait sans le coup. En tout cas, voilà les toons, je vais réaliser du coup le petit sondage que je vous ai proposé en début de vidéo. Il vous suffit donc de, si vous êtes sur mobile, ça marche éventuellement. Il vous suffit donc, alors... d'appuyer sur le petit bouton qui se situe, alors je peux pas le vous montrer malheureusement sur l'écran, qui se situe normalement tout en haut à droite de votre écran, c'est un petit i, où il y aura un petit sondage là-dessus, et justement j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur le spectacle, est-ce que vous avez adoré ou est-ce que vous n'avez pas aimé? Bon, je pense que la plupart d'entre vous sont... Bon, je pense qu'on aimait le spectacle, mais bon, après on ne sait jamais, et voilà, petit sondage, est-ce que vous avez adoré le spectacle?
Ou est-ce que vous, personnellement, vous voulez un petit peu apporter quelques modifications que vous pouvez aussi tout à fait ajouter en commentaire avec un connection loss, bien évidemment. Bon, de toute façon, on a terminé la vidéo là-dessus. Bon, on va rentrer sur le serveur parce que ça se fait pas quand même. Voilà, tout, bon, c'est pas cool parce qu'on est quand même à l'entrée. Voilà. En tout cas, voilà, c'était vachement cool. Je pensais pas que. C'est... En fait, je savais qu'il allait avoir. Ouh ! Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis dans le sol maintenant. Ouh ! Voilà, tout va bien, tout va bien. On va réussir. Du coup, je suis vraiment étonné de la qualité. Alors, il se peut que la vidéo soit copyright. Parce que là, je vais pas vous mentir, les toons. Il y a concrètement de la musique Disney. Malheureusement. Après, ça, je peux vraiment pas l'éviter. Donc, si la vidéo est copyright, bon, bah, elle sera copyright. Et je peux pas vraiment faire grand chose. Parce que c'est un peu le but de la vidéo de vous présenter Animagique. Du coup, bah, voilà, je suis un petit peu obligé, si la vidéo est copyright, de vous la laisser. En tout cas, voilà, un gros bravo au staff de DisneyCraft qui a fait un. Bah, enfin, de Dream of Disney. Oh putain, DisneyCraft, j'ai fait. Oh, en fait, depuis tout à l'heure, je sais même pas si je dis Dream of Disney ou DisneyCraft. Je crois que je viens de m'en rendre compte que maintenant. De Dream of Disney, excusez-moi, parce qu'en fait, je confonds complètement, parce que finalement, DisneyCraft était le seul serveur aussi qui faisait des spectacles un peu comme ça, régulièrement. Bah maintenant, on a Dream of Disney, bien évidemment. En tout cas, bravo, quoi. Enfin, à part un gros bravo, je ne sais pas quoi dire de plus. Bah, c'est juste excellent, voilà. C'est beau ce qu'on peut faire maintenant avec Minecraft. En tout cas, voilà, c'était Monsieur Tone de Toussio Pro pour cette petite présentation du spectacle Animagique. Gros bravo à tout le staff. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette petite vidéo. Bah, c'était ma première fois, donc premier spectacle sur le serveur de Dream of Disney. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelconque nouveauté au niveau des spectacles ou autre. Eh bien, j'en ferai le plaisir de vous montrer la nouveauté via en vidéo. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça va aller jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Monsieur Tone de Toussio Pro. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker. Hein. Enfin, même je vous conseille de la liker si cette vidéo vous aura plu. De répondre au petit sondage. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.